Sarah peut avoir le sourire. Tous ses vœux sur Parcoursup ont été exaucés. Cette excellente élève de terminale a même l'embarras du choix. Elle renonce à la Sorbonne pour intégrer la prépa art de Sartène. J'ai été prise d'entrée, pas de file d'attente, rien, donc vamos. Pour être honnête, la Sorbonne, c'était où j'étais acceptée, c'était un peu un second choix. Mais maintenant que je suis acceptée, j'ai quand même hésité. Bon, au final, j'ai accepté certaines. Les dossiers sont mis à jour en fonction de l'évolution de la liste d'attente. Pour son amie, qui est également une bonne élève, mais avec un profil scientifique, le suspense aura duré quelques jours de plus. Je viens d'être acceptée ce matin en PTSI à Ajaccio. Le problème, c'est que la date est très très courte comparée au temps que doit prendre le débat avec mes parents. Donc, c'est un peu stressant parce que je sais pas. Donc pas ce que mes parents vont faire, vu que c'est un peu eux qui décident, vu que c'est eux qui payent. Délai de réponse trop court et opacité des algorithmes d'admission, selon les syndicats enseignants, Parcoursup reste un système générateur de stress chez les élèves. Le problème des algorithmes, c'est qu'ils sont secrets. Donc on ne sait pas ce que chaque établissement demande, veut, exige des élèves qui sont demandeurs d'une formation chez eux. Et c'est très perturbant pour les élèves, puisqu'ils ne savent vraiment pas comment ils avancent, si vous voulez. Malgré le stress, les chiffres sont rassurants dans l'Académie de Corse. Aucune donnée officielle n'a été communiquée, mais selon nos informations, sur les 2430 inscrits sur Parcoursup, 9 jeunes sur 10 auraient déjà obtenu au moins une réponse positive. Il reste encore des places, puisque les élèves expriment 10 vœux, et donc quand ils en choisissent un, par définition, ils en libèrent 9, ce qui permet à ceux qui sont sur liste d'attente de remonter. Les tendances sont bonnes en Corse, puisque l'objectif est de 100% et cet objectif sera atteint. Le processus se poursuivra tout au long du mois de juin et reste conditionné par l'obtention du bac. La phase d'admission sur Parcoursup prendra fin le 7 juillet.